Eh, coucou. Bon, allez, on va faire un petit moon board. Alors, j'avais un morceau de craft. Ça sera parfait pour ce que je veux faire. J'ai dit que j'allais utiliser des champignons. Allez, on va faire avec des champignons là aujourd'hui. Je vais prendre un fond plutôt vert, hein, comme j'ai mon bloc ici. Prendre un fond plutôt vert. Bon, celui-là j'ai déjà utilisé, celui-là il est quand même assez prononcé. Ça j'aime bien, ouais, ça j'aime bien. On y va. Je vais essayer de pas laisser beaucoup de marge parce que j'ai tendance à laisser un peu trop de marge, donc je vais essayer. C'est pas gagné, mais on verra, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça fait 13 sur 20. Comme d'hab, je les fais toujours la même forme, comme ça quand je les range, ils sont tous dans la même forme. Voilà, donc wild and free. Bon, c'est pas mal, les champignons ils sont sauvages et libres. Je vais prendre ça quand même, mais peut-être pas de toute la. Voilà, je vais prendre un morceau ici, comme il y a la petite phrase là, hop. Donc, bien sûr, c'est trop grand, mais c'est pas grave. On va couper. Donc là, je prépare mes cases. Alors, je sais, franchement, je sais jamais mes cases si je vais les faire petites, grandes. Là, je vais essayer de les faire un peu plus petites que d'habitude parce que j'ai tendance à les faire un peu grandes, vous voyez. À peu près ici. Voilà, à peu près, hein. Eh ben non, à peu près c'est trop. Hop. Ou alors, je sais pas pourquoi je regarde en bas. Faudrait que je le mette en haut. Ça ferait comme un titre. Ici. Ouais, ça ferait comme un titre. Ça serait pas mal. Faudrait. Ça, c'est dommage qu'on n'a pas de l'encre dorée. J'encrerais comme ça en doré. Ah, ça pourrait être pas mal. Ah, ça peut être pas mal. Attendez, peut-être que j'ai un feutre doré. Hey. Après, j'ai l'embossage, mais. Voilà. Alors, ça, non. Ça, non. Ah, ça, je n'arrive plus à le sortir. Attendez. Est-ce que là-dedans il y a des feutres? Bien sûr que non. Ah, là il y en a. Là il y en a. Voilà, dans ma grosse valise que je ne me sers jamais. Ça. Tiens, j'ai un marqueur là. Ah oui, des trucs dorés, j'en ai là. Peut-être en Posca. Ah, bah, la... bah voilà. Bah, l'autre jour je cherchais ça. Bah parfait. Oui, il y a des trucs là-dedans. La fille qui découvre. Donc, j'ai découpé les petits morceaux. Alors, les Posca, faut les secouer pour la petite perle qu'il y a dedans. Alors, il faut l'amorcer. Oh là, oh, t'es vieux, toi. Ouais, heureusement que j'ai fait un test d'abord. Ça me paraît pas terrible. Non, c'est bien peut-être pour écrire. Ouais, non, il me paraît pas génial. Je vais changer. Ça, c'était pas mal, ces trucs-là. Là, je me souviens, ça, c'était les meilleurs. Hop. Je vous casse les oreilles. Ouais, ça, c'est mieux, ça. Ouais, je vais faire le tour avec ça. Il me faut un papier de fond. Papier de fond, c'est pas comme si j'en avais pas. Bon. Et ben vous savez quoi, je vais prendre, comme je fais bien souvent, moi, mes brouillons, on va dire, c'est mes arrières de bloc.
Voilà. Hop. Ah ouais, c'est top ça. Celui-là, en fait, il fait vraiment doré. Vous voyez, il fait pas un jaune pisseux. Pas beau. Oh, je suis trop fan. Vous allez en voir partout. Ah, je suis trop fan, j'ai décalé. Bon, c'est pas grave. Vous allez en voir partout du doré maintenant. Et ça embête ça. Ouais. Mais peut-être que je vais pas mettre ça sur du craft finalement. Je vais peut-être mettre ça sur du noir. Ouais, ça va mieux ressortir. Attendez, on va regarder. Ouais. Ouais. Donc c'est pas grave, le crafting me servira une autre fois. Si vous saviez, là, on est le. Je suis encore en vacances. On est le dernier samedi de mes vacances. On est le 16 mars. Du coup, là, je suis en train de faire ça, mais j'ai envie de vous le publier tout de suite. Mais c'est cool, je prends de l'avance. Je suis contente. C'est bien aussi de prendre un peu d'avance là. De toute façon, je suis toute seule à la maison. Mes deux zigoto sont partis travailler. Donc, plutôt que de me mettre sur le canapé à scroller sur Temu, hein, eh bien, autant que je fasse des petites vidéos d'avance. Et yes, oh, ça me plaît bien ça. Yes. Donc, bah, je vais faire des cases. Je pense que je vais faire que des cases vertes. Comme ça, et je viendrai coller plein de stickers dessus. Ah, cette boxon là, sur ma table, ouais. Je sais pas, je vais essayer de pas faire des cases trop grandes. Ça, j'aime bien ça avec les petits les fleurs. Bon, on va faire 6 là déjà. Ah non, on va faire un peu plus, 6 et demi. Sinon, je coupe l'abeille, j'ai pas envie. Voilà, 6 et demi. Je vais faire ce carré là tout seul. Allez, 4. Un peu plus. 4, 5, allez, 5. Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ouais, lui. Ou alors, juste en dessous là. Comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc 6, ça pourrait le faire. Non, c'est trop grand. Sur combien là de hauteur? Mince. J'ai pas regardé la hauteur. Jusqu'à là. Ah ouais, moi je mesure pas. Allez. Des fois. Hein. Enfin, des fois je mesure, si. Hein. Je mens. Je mens, je mens, je mens. Bim bam boum. Donc, ça. Ça va là. Ça, bah faut que je le coupe un peu. Jusque là, à peu près, on va dire. Voilà. Ça va là. Tac. Et après, bah ici, il faudrait que je fasse des autres cases. Hein. Peut-être je vais en faire trois petites. C'est rare que j'en fasse trois petites. Deux, je sais pas, je vais prendre 4 cm. 4 sur 4, on verra ce que ça donne. On va voir. 1. Et 3. Voilà. Après, je ferai peut-être. Ah non, c'est un peu trop grand, non? Ouais, je vais couper celle du milieu, je vais la réduire un peu. Allez. Voilà. Comme ça. Ça sera pas hyper régulier. Vous voyez, moi, j'ai rien en tête, hein. Je fais à l'arrache. Et là, bah, je vais faire un grand bout aussi. 4 cm, non, peut-être pas 4,5. Allez, on va prendre 4,5. Pardon, 4,5.
Et pour le coup, attendez, 4,5 c'est bon, ouais, c'est bon. Et je vais venir un peu ici. Hop, voilà. Et un autre morceau, je sais pas trop combien. Hop, je mets 4, mais il faudra sûrement le réduire. Tac. Et ben, ouais, réduire un petit peu. Pas grand chose. Pas grand chose, même pas un demi. Hop. Voilà, normalement, ça devrait le faire. Et ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, coco. C'est pas mal. Allez, je vais m'occuper de faire tous les contours. Comme ça, ça aura le temps de sécher. Donc, je me place au bord. Et voilà. Et je suis la ligne du bord, quoi, en fait. Hein. Ah ouais, c'est chouette. Ça fait naturel, mais ça fait très chic en même temps. J'adore. J'ai envie de vous la mettre tout de suite, celle-là. Mais non, il faut que j'attende. C'est pour le mois d'avril. Je ne sais plus pour quand, mais ça sera pour le mois d'avril. Je crois que c'est vers le 6 ou je ne sais plus. Voilà. Il y a... Ah, mince. Mince, mince, mince. Bon. Je vais voir si je ne le referai pas celui-là. Parce que j'ai un peu... Hein, un peu déraillé. Ou à moins que... Bah non, écoutez, je vais laisser comme ça. Et je viendrai coller quelque chose dessus tout bêtement. Hein. Et en fait, je trouve que le doré ressort, surtout quand il sèche. Ça, c'est clair que si j'en retrouve, il faut que j'en reprenne. Ouais. Je crois qu'il fallait... J'avais acheté ça chez... Ah, Bochner. Oh là, il est gros le trait. Bon, tant pis. Bochner, Bochner. Non, Bochner, c'est un S. Presque à Champigny, mais presque à Joinville. Ceux qui connaissent vers le départ du, j'allais dire du plateau, non, du Tremblay. Voilà, donc on y va, on va coller. Elle est belle, hein, elle est belle, hein, ma création. Voilà, je pense que comme ça, c'est vraiment pas mal. On y va, bah on y va, on y va, on y va, on arrête de parler, on y va. Hop. Ça, voilà, ça. Bon, du coup, je le mets pas tout en haut, je le mets au deuxième étage, enfin, au troisième étage. Du coup, 1, 2, 3. Aussi, au deuxième étage, rez-de-chaussée, 1, 2. Il faut vraiment jouer sur les mots. Je vais mettre celle-là d'abord, cette petite carte. Ah, peut-être ça, je vais le mettre en bas plutôt, le grabouillis là. Ça, je vais mettre à l'angle. Voilà, et ça, ça va aller là. Et voilà. Bah, rien que comme ça, elle me plaît. Mais on va rajouter des petits champignons. Donc j'en avais dans mon livret qui est pas ici. Non, c'est pas ça. Hop, c'est pas possible. Alors, je sais que j'en avais là-dessus, mais j'avais un autre livret. Bah, il est tout derrière, là-bas. Comment voulez-vous que je le retrouve? Donc là, je sais que j'avais des petits champignons. Donc, je vais mettre ma carte là pour voir bien. Parce que comme c'est tout est transparent, des fois, on ne voit pas des masses.
Non, c'est pas ça que j'avais tout à l'heure. C'était pas ce qu'il y a là, avec les champignons. Bah, tant pis. Non, c'est pas ça, là. C'est les trucs de... Comment? Non, bah, j'ai... J'avais laissé la dernière fois une feuille pour voir. Non, là, c'est pas des champignons. Qu'est-ce que je radote, là? Non, c'est pas ça. Non, c'était ça. Voilà, c'était ça. Hop. Donc, les champignons. Oui, la dernière fois aussi, je vous ai tout cherché comme ça. Donc là, il y en a. Hop, 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 hop. Il y a moyen de faire avance rapide, hein, si ça vous saoule. Hop. J'en ai vu, c'est sûr. Bah tiens, il y en a un là. Hop. J'aurais dû les trier au fur et à mesure que je regardais la dernière fois. Hop. Là, il y en a. Voilà, il y en a un ou deux. Il y avait des pages où il y en avait plein. Ça va être les dernières, vous allez voir. Voilà, là il y en a. Là il y en a. Là il y en a. C'est tout le problème du rangement de ce genre de matériel. Ah, voilà. C'est est-ce qu'on range par thème ou est-ce qu'on range par forme? Les stickers avec les stickers, les étiquettes avec les étiquettes, c'est ça le problème après, c'est comment on range, comment vous vous rangez, je vous l'ai déjà posé la question, mais ça me perturbe. Ah, j'ai retrouvé ça. Ah, je vais faire comme les filles. Ça se trouve, je vais même pas savoir m'en servir. Mais des fois, ça se défait tout seul. Alors, attendez, hop, je vais me la raconter, regardez, hop. J'arrive même pas à attraper la grosse nulle. Hop. Donc ça, on va mettre ça. Ouf. On va mettre ça là. Voilà. Là. Ça, on va les mettre au milieu. Comme ça va cacher. Allez, viens là. Bon, je fais avec les doigts. C'est bon. Comme ça va cacher mon dérapage là. Voilà, après je viendrai. Oh non, pas après, maintenant. Pourquoi après? C'est toute ma vie, ça. Après. Hop. Je coupe ce qui dépasse. Ça, comme ça, il y a uniquement sur le carré. Enfin, sur le carré, sur la fenêtre du mood board, quoi. Hop. Non, je ne l'ai pas eu. Je tire mais j'ai rien dans la main. Hop. Si vous entendez de la musique, du bruit ou un film ou quoi que ce soit, c'est à mon avis la petite voisine du dessous qui est en train de regarder un film. Comme moi j'ai pas mis de musique ou quoi que ce soit, bah du coup ça résonne un peu. Ça me dérange pas plus que ça. Hein. Je préfère ça que certains chants là. Bref. Hop. Oh, elle est de travers lui. Ah non, Coco. Voilà. Ouf, je l'ai rattrapé. Le petit cep là, on va le mettre aussi. Voilà. Là, ça va aller là. J'y arrive. Voilà. ABC. Ça, je le verrais bien là, à côté là. ABC. Ouais, je peux le faire.
Je fais mes questions et mes réponses toutes seules, hein, personne qui me répond. Je vous entends pas. Ah, tu vas y aller, hein, mon coucou. Voilà. Un peu de travers, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi, là, le gros rond? Hôtel New Orleans. C'est pas trop des trucs de champignons, ça. Ça, c'est quoi? Le seau là, il peut être sympa. Allez, on va mettre un seau. Je sais pas trop où, mais on va mettre un seau. Je ne sais pas où le mettre. Je vais le garder. Je vais le garder. Je vais le mettre par-dessus un truc. Ah là, il y a. Ça, c'est sympa. Vous savez, les petites. Les affiches où il y a toutes les sortes, des fois c'est des animaux ou quoi que ce soit. Là, ces petites affiches avec les champignons. Donc, du coup, je vais mettre ça là et le seau à côté. Voilà, ça, ça me va. Ensuite, qu'y a-t-il? Le monde. Les championnats du monde. Bon. Si on lit vite championnat, bon, on peut lire champignons, hein, si on se trompe. Les champignons du monde. Comme en général, on ne lit pas. Comme les clients au boulot. Hein. Il y a des affiches, ils ne savent pas les lire. Par contre, si le prix il est affiché plus fort que ce qu'ils payent, là, ils savent le lire. Hop. Voilà. Peut-être que j'en aurai là aussi. Attendez. Et oui, j'ai sorti ça et j'ai pas utilisé. Bah oui, il y en a des beaux en plus. Ah bah oui, Coco, et oh. Voilà. Hop. Ah bah oui. Pile poil dans le thème là. Ensuite. J'aurais. Ah bah oui, il y en a là. Ouh là là, oui. Ah bah oui, parfait. Toi, t'es parfait, mon coco, je te colle. Ah oui, il est trop bien. Ça, je l'enlève. Voudrais peut-être que je rajoute ou pas. On va regarder ce qu'il y a. Donc ça, bah, j'ai fini avec ça. Je vais pouvoir les ranger. Hop, je les mets avec les autres. Comme ça, je les chercherai partout. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Des petits feuillages, c'est pas mal aussi. Un petit feuillage entre les deux là. Non? On va voir. Parce que de toute façon, les champignons, ça pousse souvent là où il y a des fougères, de la mousse. Ah non, c'est pas joli. Non, j'aime pas. Allez, j'enlève. Bah, j'aime pas, j'enlève. Réussi. Peut-être le mettre plutôt comme là. Hop. J'ai ripé avec mon crayon. Je vais mettre plutôt un petit bout là. Voilà. L'air de rien. Et un petit bout là aussi. Mais je vais le. Je vais pas le laisser entre les deux. Je vais le couper à ras. Attendez, un peu plus près. Voilà.
On a une idée dans la tête, hein, comme on dit, on ne l'a pas ailleurs. Voilà. Eh bien, je vais arrêter ici parce que je vais vouloir rajouter des trucs et des machins. Et au final, ça va pas le faire. Bon. Non, 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 non. Voilà. Je l'arrête ici. Je l'aime beaucoup comme ça. Ah, le daté. Bah oui, le daté. Mais je sais pas si on va voir. Non, on voit pas. Faut que je rajoute un petit bout de... Ouais. Oui, donc on est toujours le 16 mars. Hein. C'est comme ça. Tac. Un peu de colle, je vais faire comme la dernière fois, je vais coller ma date à l'arrière, à l'arrache. Voilà, je l'aime beaucoup, plus que celui de la dernière fois. Hop, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Bon, c'est un autre style, mais j'aime beaucoup celui-là, là, avec le doré, j'adore. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais des gros bisous. Puis on se retrouve, je pense, samedi prochain. Allez, bisous.